Cette capsule vous est présentée par la boutique Mike Sou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, je vous parle du film Scoob. Donc ici en format Blu-ray, c'est un film d'animation qui est distribué par Warner Brothers et qu'on peut se procurer en magasin à partir du 21 juillet 2020. Et évidemment, c'est une histoire d'origine qui nous permet de découvrir comment Shaggy et Scooby-Doo se sont rencontrés, comment également le reste de la gang vont travailler ensemble pour résoudre un mystère, encore une fois, dans cette aventure. Donc, un film en animation, en CGI, donc vraiment en animation 3D, vraiment intéressant. En tout cas, visuellement, très, très joli, si on voit les différents personnages sur le devant de la pochette. Et je vais prendre le temps immédiatement de le développer pour vous montrer à quoi ressemble ici l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc, au niveau... Ici, on peut voir le devant de la pochette est sensiblement identique. Pour l'arrière, la pochette cartonnée a des images un petit peu plus grandes. Voilà. Donc, je vais vous montrer les images sur la pochette cartonnée. Ça va être un petit peu plus joli pour la caméra. Voilà. Sinon, on retrouve comme pistes sonores. J'ai vérifié et il y a seulement des pistes sonores en anglais et en espagnol avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. On a ici un long métrage de 94 minutes. Et au niveau des suppléments, on a des bloopers, on a des scènes supprimées, une scène d'introduction alternative également, comment dessiner Scooby-Doo. On a également une vidéo, une featurette en fait, concernant les nouveaux amis, les nouveaux vilains également qu'on va découvrir tout au long de l'aventure. Donc ça, c'est au niveau des suppléments. Et à l'intérieur, on retrouve ici un feuillet publicitaire pour des films de Warner Brothers. Avec à l'arrière, c'est le code de la copie digitale qui est incluse. Et on a également un autre feuillet, pour Scoob. Take a selfie with Scoob. Voilà. Donc, et de l'autre côté, c'est des comic books de Scooby-Doo qu'on peut voir également. Donc ça fait le tour pour qu'est-ce que je voulais vous présenter. Juste un petit peu dommage que je vais prendre le temps de le vérifier avant la critique, là, mais ça semble ne pas avoir une version française sur le film Scoob. Un petit peu décevant, évidemment, mais si vous êtes à l'aise en anglais, le film Scoob avec tous les personnages de l'aventure, de l'univers de Scooby-Doo, c'est un titre sûrement à se procurer, surtout si vous avez de jeunes enfants ou pourquoi pas des adultes nostalgiques des personnages des Scooby-Doo. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, aimez-vous les personnages, la franchise Scooby-Doo? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!